Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui coloriage, j'ai terminé ma japonaise, enfin non, ma chinoise, voilà, mais ça ressemble à des japonaises. Donc j'ai terminé ma chinoise aujourd'hui, j'ai aimé la faire. Le papier est vraiment de très bonne qualité pour colorier, il n'y a rien à redire. Ce qui disait dans la description que c'était du papier de haute qualité, je suis d'accord avec eux. Alors, j'ai regardé dans le descriptif d'Amazon et puis dans les photos, et j'ai vu dans les photos qu'ils faisaient aussi donc avec de l'aquarelle. Donc, je pense que le prochain coloriage que je ferai dessus, je tenterai l'aquarelle. Voilà, pour voir ce que ça donne. Pour voir si ça transperce pas. Donc bon, je sais pas quand est-ce que je le ferai, hein, on verra. Mais le prochain, je pense que je tenterai pardon, en faisant l'aquarelle. Sinon, bah, pas grand-chose. Voilà, du coup, j'ai pas fait de diamond painting aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je sais même plus. Ce matin je suis allée à la CAF, j'avais pris rendez-vous parce que bon, vous avez dû remarquer si vous avez regardé votre compte à la CAF, on est très nombreux maintenant à soit ne plus avoir d'APL ou avoir une très grosse baisse d'APL. Voilà, depuis le 1er janvier, la nouvelle loi est passée. Donc, la nouvelle façon de calculer les APL est passée. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui n'ont plus d'APL. Voilà. En ayant un mari au chômage et moi en invalidité, je gagne trop. Youpi! Voilà, c'est la fête à la maison. Donc c'est pour ça que j'avais été ce matin à la CAF pour demander si c'était une erreur ou quoi, mais non, c'est pas une erreur. Suivant leur nouveau calcul, maintenant je gagne trop. Mais bon, je suis pas la seule, hein, parce que j'ai vu des commentaires sur Facebook de certaines personnes. Il y a des personnes qui gagnent moins de 1000 € et qui se sont fait sucrer leur APL. Donc, on va dire merci qui? Merci monsieur, merci le roi. Bon, mais j'espère qu'ils reviendront en arrière, hein, parce que là, du coup, ça va mettre tout le monde dans la merde. Désolée du mot. Et du coup, moi qui voulais déménager, on voulait déménager pour raison de santé, on ne peut plus. Voilà. On est condamné à rester ici. Voilà, je ne peux plus déménager. Donc, même si on vient me proposer une maison plein pied, comme on a demandé pour notre santé, je ne peux plus l'accepter parce que ces maisons-là sont plus chères qu'ici. Et malgré qu'elles seraient plus chères, je n'aurais pas le droit encore à de l'APL. Donc, voilà, je suis condamnée à rester ici. Voilà, donc je continuerai à monter l'escalier, et chouchou aussi, voilà. Bon, c'est comme ça. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, allez voir votre compte de la CAF sur Internet pour voir si vous avez une surprise ou pas. Enfin, une mauvaise surprise, hein, parce que ça, ce n'est pas des bonnes. Ce sont des mauvaises surprises. Ouais, j'en avais parlé sur mon Facebook hier, aujourd'hui, parce que ça me prend la tête, ce truc. Mais bon. Alors maintenant, ils vont recalculer tous les 3 mois. Tous les 3 mois, ils vont... Même eux, ils vont en avoir marre. Tous les 3 mois, ils vont recalculer les ressources de tout le monde, des gens, enfin des allocataires, pour voir s'il faut augmenter, diminuer, retirer. Ça va être une galère, mais... je sais pas, mais... Donc, je pense que d'ici 3 mois, enfin, j'espère qu'ils vont faire marche arrière. Je pense, enfin, il faut l'espérer, qu'ils feront marche arrière, qu'ils vont voir qu'ils ont fait une grosse connerie. Et ils font ça pour pouvoir récupérer 1,2 milliard, parce que ils ont besoin d'1,2 milliard. Mais oui, il faut le prendre sur les petits pauvres comme nous. Les petits salariés qui gagnent des petits SMIG. Voilà. Mais bon, allez, je ne fais pas de politique sur ma chaîne, mais bon, c'est vraiment que je les ai là. Surtout que maintenant, bon, je payais déjà du loyer, hein, de ma poche, bien sûr, mais là, maintenant, bon, je vais devoir le payer entièrement. Et ça va faire un très gros trou dans le budget, énorme, voilà. Donc il va y avoir des priorités, il va falloir faire des choix, voilà. Maintenant il va falloir calculer les dépenses, il va falloir, voilà. Donc, ce matin je disais à Chouchou, non pas Chouchou, à ma belle-fille, voilà, je disais tout à l'heure à ma belle-fille, parce que c'était l'anniversaire de mon petit-fils aujourd'hui, et donc même pour ça, du coup, j'ai dit à ma belle-fille, heureusement j'ai trouvé un cadeau en promotion, parce que je commence déjà à faire attention, bon, elle a trouvé ça tout à fait normal, hein, et je lui ai dit, je sens qu'on va manger souvent des pâtes, oui, des pâtes, oui, mais les Panzani, peut-être même des premiers prix, parce que les Panzani sont plus chers. Bon, allez, je suis pas là pour démoraliser le monde, mais 2021, bonne année, elle commence bien. Oui, allez, je vais vous laisser visionner ma vidéo, pour vous redonner un peu de baume au cœur, ce sera mieux. Et moi, je vais vous faire des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous et bon visionnage.